Bonjour et bienvenue au 37e épisode de Pokémon version éclat pourpre. Après avoir capturé 4 légendaires d'affilée, il m'en reste plus que 2 pour le Pokédex parfait, il faut reprendre la quête principale. Alors je vous rassure, ce sont les derniers Pokémon légendaires que je vais capturer entre guillemets à la loyale dans un combat avec des Hyperballs ou des Chronoballs. Puisque les deux derniers c'est Mew et Mewtwo, il nous rejoint de son propre chef et Mewtwo, je vous laisse la surprise, ça sera probablement l'un des derniers épisodes. Sinon, équipe du jour, rien n'a changé. À part que Istaranga a pris un niveau en cratère cristallin. Allez, allons-nous faire la team enquête. Donc, à l'épisode précédent, j'avais déshabillé le Spear Rocket. Là, quand je disais que c'était une vidéo pornographique. Et comme il m'a donné sa tenue de Spear, on peut rentrer dans un des repères de la team Rocket. Alors, je sais plus si c'est ici. Attends, pour courir, c'est quelle touche déjà? C'est celle-ci. Non, c'est à côté. Agent Caillou, hé, le périmètre est bouclé. Justement, il me semble que... Voilà, c'est ici. Donc je me suis volontairement fait arrêter par les flics pour avoir une sorte de raise. Voilà, je m'approche de la planque Rocket. Je ferais mieux de mettre la tenue que le Spear m'a donnée. Hop là! Eh oui, tenue Spear, une tenue de Spear de la team Rocket. Bonjour! Fais gaffe, un dresseur assez balèze se promène dans le coin, à ce qui paraît. Centre de contrôle. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en premier? Easter Angle. Voulez-vous déplacer cette caisse? Oui. Pas besoin de R2D2. Alors... Alors c'est une mission d'infiltration. Il faut être patient. Oh, il m'a eu. Eh, mais t'es pas à Brespire, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Oui, une bonne mission d'infiltration à l'ancienne, ce qu'on n'a jamais vu dans un jeu Pokémon officiel. Smogoko, niveau 82. Psychothérapie. Là, j'en profite pour vous faire une annonce. Je vais me lancer dans un Nuzlocke Challenge en bonne et due forme dans un fan-made Pokémon. Smear, pas grave, je t'ai retenu le temps que les renforts arrivent. Je vous donne vos Pokéfric, mais je vous éjecte dehors. Oui, oui, merci. Alors, je vais abuser des State C parce que j'ai pas envie de me... Voilà. Alors, il me semble que si on court, ça attire tout de suite son attention. Hein. Super Woman! Ouais, c'est super. J'aurais pas dû aller de ce... Merde! Bon, j'accélère. Voilà, et ça va recommencer à l'infini. Oui, oui. Donc, tous les sbires de cette zone ont un Smogogo niveau 82. Bon, en difficulté difficile, bien sûr. Hein. Voilà. Grâce à la caisse, il peut pas me voir. Alors, comme j'ai pas envie de galérer, on va utiliser les state save. Merde. Bon. On accélère, c'est reparti. Et j'ai fait une erreur en plus. Donc voilà, c'est typiquement la planque relou. Attends, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je peux la pousser dans l'angle? Non. Yes. Bon. En fait, j'ai besoin de monter une caisse en haut. Alors, il faut que je trouve le bon moyen de la monter. Donc ça, on est obligé de la pousser. Bon, là, il n'y a pas le choix pour le moment. Faut que je pousse.
Et oui, si je pousse là, je peux plus. Ah, mais si, si, je sais, voilà, j'ai compris. Voilà. Alors, nous, voilà, last. Wow! Comment il m'a vu d'aussi loin? Attends, il me voit hors caméra, là, hors champ de vision. Attendez, il fait comment là? C'est Arceus ou quoi là? Bon, c'est bon, j'ai trouvé comment monter une caisse en haut. Alors, donc comme ça, comme ça, là je sauvegarde. Ok. Attends, il faut que je pousse cette caisse en bas. Voilà. Bonjour. Bon, maintenant tu regardes en bas, Mess. On recharge. Regarde en bas. Non, on va éviter de la pousser là. Bon, là j'ai pas le choix. Attends, je vais vous faire visiter un petit peu. Allez, dégage, dégage, dégage. Ok, ok. Ouais. Là, si vous connaissez pas par cœur où sont les sbires, y a pas un objet qui traîne là? Non. Bon, ça sert à rien de les affronter, ils ont tous des smogos au niveau 82. Merde. Bon, bien sûr, dans un jeu de manière légite, il faut que je sauvegarde dès que je passe un point sensible. Et que je recharge la sauvegarde avec un soft reset. Ok. Mais bon, la state, c'est... Allez. Et c'est complètement aléatoire quand il se tourne. Hein. Alors là-haut, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens galéré. En fait, c'est un piège. C'est un cul-de-sac. Ah, mais du coup, la caisse est revenue en bas, génial. Alors, ça fait une boucle qui va dans le sens des aiguilles d'une montre qui permet de revenir à droite. Mais c'est impossible de résoudre l'énigme avec les caisses. Alors, on va revenir en bas. Allez, on repousse la caisse. Alors pour ceux qui se posent la question, quand ils vous regardent là, vous pouvez quand même pousser la caisse sans vous faire voir. Ok. Ça me rappelle l'arène Psy dans Pokémon Vega où j'ai vu Fildron galérer comme un porc. Sauf qu'au lieu des caisses, c'est des rochers force qu'il faut déplacer dans un point précis. Oups, mais... Ok, j'ai fait une erreur. Je recharge. Ah oui, non, faut pas oublier que voilà, vous pouvez aller une case en dessous. Hein. Ok, il m'a vu. Donc faut que je le mette là. Là. Alors, pas oublier que je peux passer par là. Non, attends, faut que j'aille ici. Non, non, justement. Justement. Donc le but c'est d'utiliser cette caisse, voilà, pour casser sa ligne de vision. Voilà. Et l'énigme impossible à résoudre, et eh ben elle est là. Il y a deux caisses en haut, mais c'est impossible d'en descendre une en bas. Waouh. D'accord, il peut me voir d'ici. Ok, à peine je descends, il se retourne. Voilà, pas vu. Allez, le dernier. Ouais, toujours Smogogo. Ça change pas. Mais... non, mais ils sont devins ou quoi, là? Attends, j'accélère un peu, je re-sauvegarde. Bon. Et... ça y est, on a quitté la zone d'infiltration. Sbire, hey, et toi, t'as un ici, c'est le central de sécurité de la Team Rocket. Comment t'as atterri là? Cool, je suis en bon endroit, merci. Hey, mais je te reconnais, t'es le type qui fuit dans nos planques, j'ai reçu un avertissement. Si j'avais à te capturer, j'aurais pas une prime. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une musique Team Rocket comme dans Pokémon Or et Argent. Hein.
Ah, c'est un admin carrément. Ah, on peut pas. Il va se prendre une psychothérapie, le Arbok. C'est super efficace. Le poison, c'est pas bien, c'est le psy qui vous le dit. Démolos, je vais mettre qui? Bah, Linwen qui est un petit peu en retard d'XP. On va essayer de mettre tout le monde niveau 100 quand même. Un petit surf, bon, je vais faire séisme aussi, ça va faire même plus de dégâts. Parce qu'il a moins de défense que de défense P. C'est super efficace. Bon, là, je le garde, c'est bon. Général Omar. Non, Colonel Omar, 32 heures. Ah, il y a une bonne défense. Hein. Wow. Ah oui, c'est vrai que cette attaque fait 65 de puissance, c'est plate. 20. Vas-y, bouffe ta baie. On va accélérer. Parce que j'avoue que c'est pas passionnant du tout quand il enchaîne les guérisons. Cornèbre. Allez, ici, ok. C'est super efficace. Oh, un tir nocif. Je peux faire la même erreur que la Ligue Pokémon. Hein. Ouais, l'autre essai. Où j'ai perdu de l'attaque à cause d'un éboulement qu'à critique. Ce serait dans un vrai Nuzlocke que je prendrais pas le risque, hein, ça c'est sûr. Alors, vu que j'ai cumulé deux morts depuis le début de ce jeu, je me dis que je dois être capable de gérer un vrai Nuzlocke. Ça sera pas sur ce jeu bien sûr, hein, ça sera sur un autre. L'un des meilleurs fan games d'ailleurs. Oh, il est pas one shoot. Et dis donc, il résiste bien. Quoi, monte beaucoup, c'est nouveau ça. Évidemment, l'attaque monte de deux crans avec une bête, je connais pas ça. Bon, il m'en met full vie, ça c'est gentil. Ok, il a anticipé. Même s'il me fait une lame d'air, il m'en shootera pas. Moi aussi, je suis anticipé. Hein. Et en plus j'ai rempli Rennes. Alors ce qui me fait penser que j'ai laissé, après les captures des légendaires, j'ai laissé les restes à tous mes Pokémon. Je vais quand même éviter. Bon, je sais qu'il est affaibli. Ah, il voulait pas laisser sortir un officif mourir. Hein.
Mince, ma prime. Plus une revanche pour essayer de loquer aussi. Spire, je vous envie de prévenir les autres. Non, t'es pas Spire, t'es un admin. Ordinateur, le système de sécurité de la plante principale est temporairement désactivé. Bon, ça devrait être bon. Je devrais pouvoir accéder à l'autre, à la plante principale maintenant. Alors, j'ai changé les objets. Hein. Orbe rouge. Ça a été volé en mon mémoria, ça. 9 chances. Ok, il avait déjà 9 chances, lui. Oui, bon. Ok. Voilà, tout le monde a 9 chances, sauf Manière, bien sûr. Hein. Il est déjà niveau 100. Là, j'ai combien de Pokéfric ? 826 000. Oh, on revient au début, c'est bien ça. Ok, bon, mais y'a que ça. Moi, je pensais que... Ok, je pensais que c'était un donjon beaucoup plus grand. Wabam, je fais quoi, le premier terror. C'est toujours bloqué là. Oui, la maison de Myst est bloquée. C'est ton garde du corps personnel, tellement il est riche, Myst. Alors la planque est de l'autre côté. Et là, bah, je vous l'annonce, il faut que je sacrifie un Pokémon. Et oui, ça sera Brazegali. Parce qu'il est niveau 100. Déposer, équipe. Et oui, pour le dernier donjon, je suis obligé d'avoir 5 Pokémon, sinon Mew, ben, il me passe définitivement sous le nez. Et je peux pas compléter mon Pokédex. Alors, la planque principale, c'est par là. Helix Sprint. Niveau 100 je serais peut-être mieux d'aller me soigner. Attends, demi-tour, j'ai pas tous mes PP, alors je soigne vite. C'est fait. La prochaine planque Rocket au prochain épisode.